Le soir d'Art Show, c'est maintenant. Calme-toi, gueule, je vais te prendre. Je vais prendre ta copine. Et même tes cousines. T'es belle avec pas ta grand-mère. Ta grand-mère. Oui, ta grand-mère. Le soir d'Art Show. De retour sur TSO Radio, 19h-20h, nous sommes jeudi, la suite de l'émission, avec la suite du jeu des problèmes, hein, on l'a fait juste avant les infos. Et ben on recommence, on refait un petit tour de table, qu'en pensez-vous? Non. Faites les joueurs, les garçons, prenez un peu des cartes rouges. Hein. Allez, Sébastien, rouge ou rouge? Jaune. Allez, rouge. Rouge. Allez, c'est parti. Je rappelle que le jaune, c'est Nivek. Enfin, c'est les vérités à problème. Et les rouges, c'est les actions à problème. Qui dit rouge, dit duel. Duel. Chiffre entre 1 et 10. 3. 1, 2, 3. Non, 3. Attends, je regarde. Ça va te plaire. Vas-y, si tu peux y aller. Tu choisis ta partenaire. Lis-le-nous, hein, lis-le-nous, il y a des acteurs. Reste une minute, yeux dans les yeux et main dans la main avec la personne qui a le plus beau visage. C'était prévisible, c'était prévisible. Donc il vient de prendre sa propre main, l'enfoiré, et il va donc rester une minute. Donc je regarde mon écran. Yeux dans les yeux avec lui-même. Voilà, l'ego, l'égocentrisme dans sa splendeur. Parce qu'avec tes conneries, maintenant, faut combler pendant une minute. Bah, continue. Ah non, on peut passer à quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais attendez, non, j'ai des messages. Bon, McDo, aujourd'hui, un Big Mac sans viande parce que je suis végétarienne. PS4 aujourd'hui, mais sans télé parce que je suis aveugle. Voilà, un deuxième message. A bien bouffé pendant le confinement. Vois plus ma bite. Voilà. Les vagins, c'est comme la météo. Les vagins, c'est comme la météo. Si ça mouille, il faut rentrer. Voilà. Monique, on n'a toujours pas Monique. Pas une chaise et approche-toi, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, passé. Voilà, j'avais envie. Bon, c'est bon, la minute est passée. Est-ce que le regard était bien? Oui. Le regard de braise. Hélène, jaune ou rouge? Eh ben, là j'ai fait rouge tout à l'heure, je vais faire un jaune. Toi t'as eu des couilles. Je vais faire un jaune. Un pastis. Mais j'aurais envie de me refaire un rouge, hein, mais. Non, allez, un rouge. Allez, quel chiffre entre 1 et 10? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, c'est ouais, bien. Mais j'ai besoin de toi. Regarde et fais passer. Non, okay. Tu veux pas? Ah non, je dois le lire en direct, personne doit voir un rond. Tiens, pour Hélène. Pourquoi c'est pas encore? Bonjour, j'ai pas vu moi. Alors? Alors? Question. Alors? Attends, parce que la semaine prochaine, j'annoncerai mon souci de gauche et droite. Donc, je suis en train de chercher ma gauche. Gauche et donc, celle. La personne à ta gauche se connecte à ton Instagram et unfollow 4 personnes de son choix. Ah, c'est Seb. Allez, Seb, allez. Allez, vas-y. Qui tu vas unfollower? Les 4 premiers, je sais pas. Donc je rappelle. Ah non, par contre, t'as pas mes copines. Ah non, alors voilà, donc la personne à sa gauche, c'est Sébastien. On laisse pas les militaires et les pompiers. On laisse pas les grosses tubs. Qui d'après toi, là, comme ça, t'as le choix de pouvoir virer 4 personnes? Oui, je sais pas. Oui. Non, mais prends le téléphone d'Hélène, hein, prends pas. Ouais, vous. Les 4 premiers, je sais pas. Je sais pas, c'est toi qui vois, c'est la femme de ta vie, c'est. éteins le feu, hein. Alors, qui tu vas unfollow? C'est-à-dire se désabonner, hein. Dis les noms, hein. Et en même temps, comme ça, il regarde. Les noms. Ah ben. Le mec, il commence sa séquence en mode oh, je sais pas, moi, là. Finalement, ça m'intéresse, hein. Premier, c'est qui, comme ça? Premier, c'est ta nièce, je crois, non? C'est ma nièce. On voit pas unfollow. Tu vas pas unfollow la nièce. Après, deuxième, c'est. C'est mon pote. Non, mais fais pas tout le monde, Sébastien. Tu scrolles, t'en vois un, t'enlèves un truc. Après le cinquième. Ouais, juste dis-moi ce que t'enlèves, comme ça je sais. Comme ça je peux refollow derrière. J'enlève Nivek. Ah non. Allez, personne. Bon, allez, dépêche-toi, 4. Bah, dis-moi ce que t'enlèves. Calo Candy, je sais pas quoi là. Ouais, allez, unfollow. Ouais. Bah, pourquoi tu t'enlèves pas toi-même? Ouais. Unfollow Seb. Bah ouais. Non, elle va rater toutes ses photos de lui tous les jours. C'est genre les vacances. Plus ses souvenirs. Profitant pour unfollow des rivales. Des rivaux, pardon. Des rivaux. Il a viré qui là? Je... Il a viré qui là? Oh, rien. Ça, je t'en qui? Il a viré. On veut des noms.
Il a viré qui en vrai? Annex? Non. Je sais pas, je connais pas ses ex. Des noms! On veut des noms, il a dit le monsieur. Et toi, remettre ça avant quand? Juste non, on s'en fout. Ouais. Non, après, t'es quand même chier, tu m'as enlevé au chevalier Balthazar à côté. Bah, il faut quatre à la suite après. Non, t'as pas fait. On joue la suite quatre à la suite. Oh putain. Stéphane. Ouais. Bonjour. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Quelle taille il fait? 1m72. Ton nez? Oh putain, la vache. La vache. Rouge ou jaune? Orange. Oh putain. Il est allez, rouge. Allez, monsieur Adam Coronès. Ouais. C'est un homme de défi. Alors, un chiffre entre 1 et 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es d'accord pour passer là? Merci de t'avoir bien. Et normalement, c'était à droite, ça paraît. Donc, lis-nous à l'antenne ce que tu lis sur ta carte rouge. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais. La lecture, Rémi par cœur. Fais des bisous sur la joue pendant 20 secondes à la personne qui t'énerve le plus ici. Ah, c'est Seb. C'est Vince. Hélène. Ah, je pense que c'est Seb. Je pense que c'est Seb. On espère tous que c'est Seb. Je pense que c'est Seb. C'est quand même celui qui te cherche plus la merde. Qui t'énerve le plus ici? Tout le début. Moi, il m'aime pas. Oh si si si, il y a quelqu'un. Genre au départ, je suis pas sûr que tu kiffais bien Hélène, hein. C'est toujours le cas apparemment. C'était pour rigoler. Et bah là, non mais en vrai, qui t'a déjà le plus énervé autour de cette table? Le mec, il prend pas de risque. Ah bah, on va dire Seb alors. Bah, allez, c'est comme avec lui, t'as fait. Bisous sur la joue. Allez, c'est parti. 20 secondes. Vas-y, on va compter les secondes. Il a quand même failli se foutre sur la gueule avec. Combien? Un bisou pendant 20 secondes, ok, allez. Ça marche. Allez. Ils ont failli se battre alors quand même. Ils se sont pissés dessus, ils ont tout fait. C'est quoi ouais. Des bisous, faut que ça crève pendant 20 secondes. Faut que ça pipe, mon de Dieu. Oh putain, je savais pas qu'il fallait enlever autant de matos pour que tu y ailles. Dépêche-toi, comme ça on aura 20 secondes là, vite. Il a enlevé les lunettes, il a enlevé la sonde, il a tout enlevé. Vite. Non, il n'y a plus 20 secondes. Ah ouais, on s'en fout. Allez, Seb. C'est parti. Allez. Je vous dirai stop. Une magnifique séquence. C'est parti. Putain, c'est dégueulasse. Touche-lui la bite. Vas-y, glisse une main. On entend rien là, les bisous. Est-ce que tu bandes? 7. 16,5. 14. 20. Bien. Bravo le bisou. Super. Comment on sent après un bisou long de 20 secondes? Ah bah ça, t'aurais pu embrasser n'importe qui, tu collais. Hein, là, il n'y avait pas de problème. Hein, ça. Laura, rouge ou jaune? Allez, rouge. Combien le chiffre? Merci beaucoup, j'espère qu'il sera 4. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Et qu'est-ce que Lolo la belle vulve va devoir nous faire? Suce. Oh non. Qu'est-ce donc? On t'écoute? Ouais, tu me regardes. Oh oui, vas-y. Embrasse. Non, peut pas, de toute façon, c'est pas Covid. C'est quoi quand même, Lille? Embrasse sur la bouche la personne que tu aimes le moins autour de cette table. Ah ouais, non, bah. C'était qui? Stéphane? D'accord. Bah, fais la solution ce coup-ci. Quand on peut pas le faire, on prend la première carte du top. Ouais, mais je veux ça. Prends la première carte du top. Je vais la prendre, pas de problème. C'était mais... Qui tu aimais le moins? Tu cherches à foutre la merde, non? Tu rembrasses qui? Ouais, je suis un connard, moi. Personne. Ouais, prends pas de risque, tiens. Allez. Non. Tiens, fais un échange avec ça, je l'ai pas regardé. Là, c'est parce que c'est Covid, hein, sinon tu lui roules une galoche hein, à la personne en question. Le Covid, je l'ai fait, merde. Ouais, mais c'est pas sur la bouche. Merde, j'ai cru qu'il allait péter un câble. Vous voulez son bisou? Hein, ouais. C'est toujours infaisable. Oh. Sur haut-parleur, appelle ton ex et improvise 3 minutes de conversation. Bah, j'ai le numéro de Seb, si tu veux. Oh putain, défaut. Bip. Non, mais... je plaisante. Donne une jaune pour faire ça. Ouais, allez, hein. Tiens. Yvec, lève-toi, elle veut une jaune. Tu veux le faire à chaque fois, celle-là? Le gros lourd, c'est moi. Hein. Bon. Alors, si tu pouvais choper la sœur ou frère d'un pote, qui choisirais-tu? De qui ferais-tu bien ton 4 heures, ton frère et sœur, parce que tu bouffes aussi de la moule, de tes potes? Alors là...
Il connaît pas. Non, c'est ça. Il y a que mon père qui le connaît. Ton frère, ouais. Ton frère. Bah, à part le frère. Tu surprends bien le frère. Mais non, il y a que mon frère qui le connaît. Ah, tu connais pas ma sœur, hein. Ouais. Moi non plus, d'ailleurs, mais... Ah bon, on est bah, il y a le frère à Seb. On est deux, hein. Ah bah, on frère à Seb. Ouais, Ludo. Oh, non, mais je le connais pas. Ouais, mais ça mérite, hein. Ah, il y a une tub. Bah, c'est familial de toute façon, même Jean-François, hein, pas là, mais il est mort. C'est un rossin, ça. Bon, bah, le frère à Seb, alors écoute. Eh bah, allez, c'est parti pour Ludo. Je peux pas dire le frère à Hélène, après on va se recroiser. Sinon, il viendra pas mon ami. Je ne sais pas, je le verrai jamais. Au rouge, jaune rouge pour Vince. Bon, bah, rouge. Allez, rouge, c'est bien, vous avez tous des couilles, hein. C'est moi, j'adore. Voir autant de couilles dans la même équipe, c'est incroyable. Allez, 3. 3, merci beaucoup. Putain, en plus, il prend les devants, il me laisse même pas le temps. Hop là, numéro 3 pour notre cher ami. Vince, alors. Échange tes vêtements avec la personne la masculine selon toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur qui? Échange tes vêtements avec la personne la moins stylée selon toi. Et d'après toi, c'est qui la moins stylée selon toi? Comment il en reste? Oh, le balayage. Je sais pas. Le balayage qui fait peur, quand même. J'en sais rien, en fait. Si, allez, qui s'habille comme un sac? Qui c'est qui s'habille comme un sac? Mais je peux pas dire parce que je suis venu une fois avec une chemise un peu du même genre, donc je peux pas dire. Après, on va dire peut-être, allez Stéphane pour dire quelqu'un. Désolé. Le silence. Bah, il change de vêtements. Non, je plaisante. Bon, c'est Covid. Méfiez-vous parce que l'année prochaine, il y aura peut-être plus de Covid, ce que je souhaite. Elle a une vie, hein. On échange les maillots, les canards. J'en ai rien à branler. On embrasse sur la bouche et tout. Rouge, jaune. Tu laisses pas un autre choix? Je vais pas signer. Tu laisses pas une autre chance comme avec Laurent? Tu veux une chance? Bon, elle est jaune pour être. Quel chiffre? Bah, 3 aussi. Voilà, la numéro 3, la voici. Parce qu'on a un temps à respecter, quand même. Les personnes à droite et à gauche sont au milieu d'un feu. Qui sauves-tu? Oh putain. Je vais pas de répondre. Tous. Non, je peux en sauver qu'une seule. C'est moi au niveau. La seule qui fait ça. Bah, ça dépend. Ouais. Tu auras plus de marionnettes. Bah, si, sauf Laurent. Honnêteté, spontanéité, on t'écoute. Bah, oui, Laurent. Bah, oui. Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes d'abord. C'est normal. Alors, si c'est les femmes et les enfants d'abord, ce serait Hélène. Bon, moi, je suis là. Mais sinon, j'essaierai de sauver tout le monde. Sinon, j'essaierai de sauver tout le monde en réalité. Et un autre en cours. Voilà, j'en ai 3. C'est moi. Ah, madame Grenier, n'est pas réussi, vous êtes trop vieille. Nivek, jaune ou rouge? C'est la ménopause. Ma couleur jaune. Ta couleur jaune, le chiffre? Prends le rouge. 10. C'est le seul qui a pas pris rouge. 3, 4, je m'en fous. Même Steph, il a pris rouge. 7, je fais chier. 8, 9 et 10. Ce qui est bien, c'est qu'après, la baisse story, ça va être une tournée. Quel est ton ou ta meilleure amie? Oh ma meilleure amie. Oh là là. Je peux te la prendre. Oh, suspense. Roulement de tambour. Alors, Jérémy Bachelet. Ah non, mais je pense que c'est pas autour de la table, non, c'est en général. Ah, je sais pas. Non, normalement, c'est autour de la table. Non, en général. Non, c'est la même des. Qui t'apprend des choses? Non, vas-y, qui? Ton meilleur ami autour de la table, c'est. Ah putain, c'est même pas évident. En fait, moi, je suis pas du genre à catégoriser. À catégoriser? Catégoriser, ouais. Un ami ou pas, moi, je sais pas, j'ai des bons potes et je suis pas. Autour de la table. Oh! Non, moi ça je sais pas. Ça fait 20 ans que tu les connais, mais même. Mais tu les connais, mais c'est chou là en fait. Non, ça, non que j'aime, non. Non, mais tu kiffes amicalement. Il a bah, disons, en ce moment avec Seb, on est plus dans les mêmes délires et tout ça, alors je dirais Seb. Qu'avec Stéphane? Et alors j'ai une question parce que votre amitié, bon, c'est une amitié à trois. En fait. Quels sont tes délires, Stéphane? Tes délires, à part les jeux vidéo. Tu peux parler devant le micro parce que là il marche. Celui-là, tu iras pas. Ouais. Tes délires humoristiques. Parce que bon, on s'est pris une tollée avec les vannes qu'on faisait, hein. Donc là, les délires humoristiques, c'est quoi? Non, je vois pas. D'accord. Bon. D'accord. Bah, décidément. Bah, non, mais il faut tout pour faire une équipe. Il y a les marrants et les moins marrants. Moi, après, je suis pour l'éclectisme. Voilà, c'est un sport qu'on pratique. Pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas, parce que c'est j'en veux. C'est quoi l'humour? Tu me le fais? Jaune. Un brun rouge? Tu me faisais chier, t'avais pas pris rouge? Non, tu m'as fait chier, tu prenais pas rouge. Je vais bien prendre rouge, on a plus le temps. Non, arrête, tu prends rouge, on a le temps. On est à 26. Allez, arrête. Tiens, rouge. Combien? Oh, bah, allez. Il vient de péter le tas. La première qui vient. Allez, prends la première. Prends la première. 1, chiffre 1. Merci. La personne à gauche. Bah. T'éclates à 9 sur la tête. Non. Non. Si. On n'a pas 9.
Oh, une note. Une. Attends, on aurait pu trouver un truc. Oh non, 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 j'aime pas ça. Une couille ou un. Montre-t-on. Non plus, une note. Non, non, vas-y, lui. Non, non, j'ai vu. Une autre. Ouais, ça oui. Alors, oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on était à la radio, il y a un gros blanc là. Mets une story avec la personne que tu connais le moins autour de cette table. Donc, que je connais le moins. Faut le faire tout de suite ? Bah oui. Alors, Axel se déplace. T'aurais dû prendre ta sucette. Non, tu l'as plus là. La sucette partative. Non, il n'y avait plus de pile là, je crois. Merci beaucoup, m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. La personne que je connais le moins et que j'ai toujours du mal à cerner, c'est lui. Je savourais que. Je ne sais toujours pas. Eh, tu feras un petit. Tu mettras un petit Ghost Rookie. 66. Alors n'oubliez pas 66 669 669 Alors bienvenue sur Facebook. Voici Stéphane Ghost Rocky 66 et non pas 666 hein. 66 c'est beaucoup mieux. Et voilà, il fallait que je fasse une story avec la personne que je connaissais le moins. Voilà, il s'appelle Stéphane. Je ne connais même pas son nom de famille. Voilà, voilà. Ouais. On le sait. Ouais, mais je préfère, ouais, mais je préfère la chenille à la fête pour elle. Voilà. J'avais envie de la faire, c'est la grande auto. Moi j'aime la chenille, après c'est comme vous voulez. Attends, ils ont pas compris là. Non. Grandes autos. Les grandes autos. Il s'appelle grand. Les autos tamponneuses, merde. Oui, ah, oui. Parce que tu, vous savez pas le nom de famille de Stéphane. Non. Non, bah non. Bah c'est. Grandes autos. Il s'appelle Grandes autos. Ah d'accord. Ok. Ah, j'ai un humour assez spécial. Hein. Et sinon, on a quand même perdu le président, comme d'habitude, non, quand mais... on sort de pause. Oh merde! Je suis italien. Lasciatemi cantare. Je dirais même, je suis Rital. Et je le reste. Allez, les amis, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission qui est bien, bien chaude, hein, quand même. Hein. Oh, bah allez, ça, à tout de suite. Chaude. À tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.